انا ابتدي كلكم معكم ترجمه، في حدا عايز ترجمه؟ عباس اكتب لي في حدا عايز ترجمه. Comme on a une traduction, je vais vous introduire notre conférencière aujourd'hui en français. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier tous d'être là, surtout que c'est la première conférence depuis que nous avions fermé l'Institut pour cause de pandémie et que nous avons continué à nous contacter et à faire des conférences en ligne, mais ça n'a rien à voir avec le présentiel. Et la grande joie qu'on a aujourd'hui, c'est de recevoir notre nouvel ambassadeur qui, dès qu'il est arrivé, nous a annoncé la réouverture de l'Institut. Et Dr. Leys des Antiquités, qui est le directeur général des Antiquités en Irak et qui est à la tête de la belle coopération que nous avons avec le musée du Louvre et avec le ministère de la Culture irakien aussi. Donc, je ne vais pas être longue, je vais juste introduire Madame Ariane Thomas. Je crois que vous allez avoir une conférence exceptionnelle aujourd'hui. Madame Thomas est directrice du département d'Antiquité orientale au musée du Louvre. Alors, elle est diplômée de l'école du Louvre, mais elle est aussi docteur en histoire de l'art et archéologie. Et sa thèse portait sur le costume royal mésopotamien entre 2340 et 530 avant Jésus-Christ. Madame Thomas est aussi une passionnée de l'Irak. Elle y a séjourné et travaillé à plusieurs reprises et longtemps, sur le site de Bashtaba tout particulièrement. Elle est l'auteur d'un nombre important d'articles et de livres, dont certains portent sur l'Irak, comme par exemple sur Larsa, sur Khorsabad et sur Babylone, et bien d'autres, elle nous en parlera probablement. Elle a une renommée internationale, elle a participé à des conférences et enseigné dans plusieurs universités européennes et américaines. Elle est aujourd'hui avec nous dans le cadre de la coopération avec le Musée national irakien. Et je vais lui laisser la parole rapidement pour nous présenter le département des Antiquités orientales du Louvre et tout particulièrement les liens étroits qui unissent le Musée du Louvre à l'Irak. Merci Ariane d'être présente. Merci Monsieur l'Ambassadeur d'avoir réouvert l'Institut. Et je vous laisse avec la conférencière. On aura un moment de discussion. Vous allez pouvoir poser des questions. Et on aura une petite surprise à la fin dont Ariane parlera. Merci beaucoup Saloua. Merci à vous tous. Merci à l'ambassade et à l'Institut français de me faire l'honneur de me donner cette tribune, surtout donc de réinaugurer, si je puis dire, cet institut français où j'avais eu le plaisir de vous parler avant un certain nombre de crises que nous avons traversées, et plus particulièrement ici en Irak. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver et très honorée de cette invitation et de votre présence aujourd'hui. J'ai un titre à rallonge terrible parce que, en espérant que ce ne sera pas tout décousu, je pensais du coup vous parler de nos liens qui existent depuis très longtemps et dont je me réjouis qu'ils se resserrent toujours un peu plus. Les liens entre le musée du Louvre, qui est le musée national français par excellence, et l'Irak, et évidemment le musée national d'Irak, on va vous en parler. Donc, c'est pour soi de Paris à Mossoul en passant par Bagdad. Alors, ici, nous sommes à Paris et j'espère que bientôt les conditions sanitaires et tout ce qui s'ensuit permettra à nombreux, j'espère, de venir ou de revenir au Louvre. Au Louvre, nous sommes souvent fiers d'être un très vieux musée et un palais encore plus vieux. Et tout ça sonne sans doute un peu de manière différente quand on est ici à Bagdad, en Irak, puisque nos 800 ans d'histoire, qui sont tout de même quelque chose, en tout cas pour Paris, sonnent un peu récents.
par rapport aux 8000, 12000 ans d'histoire que l'on trouve sur un certain nombre de sites irakiens. Alors, cependant, puisque ce sera une forme d'introduction pour ceux aussi qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de venir à Paris au Louvre, voilà, nous sommes effectivement un palais, comme finalement on le retrouve sur les sites irakiens, avec une succession de strates historiques, de modifications du bâtiment depuis le Moyen-Âge, avec ici une vue du donjon, un donjon de Philippe Auguste au XIIe siècle, donc à une époque où, puisque nous sommes à Bagdad, encore une fois, je me permets de dire que vous nous donnez des leçons d'humilité, puisque vous le savez mieux que moi, Bagdad s'appelait Bagdad la Magnifique depuis déjà plusieurs siècles, avait une très longue histoire derrière elle, surtout si on considère que certains sites d'Akkad pourraient se situer dans les environs. Et donc, à cette époque, Paris était au contraire une ville plus petite, et le Louvre a été en fait au départ une forteresse à la limite de la ville, ville qui s'est depuis beaucoup plus étendue, puisque maintenant nous sommes au centre. Mais tout ceci a été révélé, ses origines médiévales, par des fouilles archéologiques qui, là encore, nous rapprochent de pratiques qui sont extrêmement développées en Irak. Donc ici, vous voyez, au lieu de la pyramide du Louvre que l'on voit aujourd'hui, avant sa construction, eh bien, la mise à nu de l'esplanade qui s'appelle aujourd'hui l'esplanade de la pyramide et les fouilles archéologiques qui ont été faites avant le creusement donc, des espaces que l'on visite aujourd'hui et qui ont révélé, dans une cour qui se situe ici, le donjon initial. Donc, ensuite, eh bien, le bâtiment s'est développé jusqu'à nos jours, puisqu'on a encore dans les années 2000-2010 reconstruit un espace. Alors je dois, et c'est vrai, penser au traducteur, donc je vais un peu ralentir, excusez-moi. Donc voilà, cette longue histoire qui, comme tout est relatif, n'est pas si longue au regard de celle de votre pays. Il y a aussi l'histoire du musée lui-même, puisque pendant des siècles, c'était donc un palais royal, avant que ça ne devienne un musée. Et là, c'est aussi un rôle qu'a joué le Louvre avec d'autres institutions assez capitales dans l'histoire des musées qui nous rapprochent aujourd'hui, puisque l'Irak est doté de musées ô combien riches. Le Louvre est le résultat de cette réflexion des Lumières au XVIIIe siècle, un désir de savoir encyclopédique et de le partager, de le présenter pour l'étude et la délectation. Et ce projet qui avait été initié sous l'Ancien Régime, et vous voyez ici en fait une vue qui est aujourd'hui au musée d'un projet d'aménagement de la Grande Galerie du Louvre juste avant la Révolution française, a finalement éclos pendant la Révolution française, donc en ouvrant le musée officiellement en 1793. Et il est depuis resté ouvert presque toujours, avec malheureusement, comme partout dans le monde, une longue fermeture du fait de la crise sanitaire. Mais ce musée, qui était au départ un musée des collections royales et essentiellement de peintures, vous l'avez vu sur l'image précédente, s'est énormément développé au XIXe siècle, en allant au-delà même donc de la vocation initiale dans l'esprit des Lumières, en le poursuivant, dans l'idée véritablement d'aller explorer le monde entier et de le présenter, de le partager au musée du Louvre. Alors, c'est une phrase peut-être un peu grandiloquente, mais en même temps pas tant que ça, puisque dans l'idée de ce Louvre qui était ouvert à toutes les cultures, eh bien, il y avait l'idée de montrer, d'étudier, de mieux connaître à la fois effectivement la beauté et l'histoire du monde. Et vous avez ici une affiche très 19e qui mélange toutes sortes de cultures, d'art, vous connaissez des sites grecs, bien sûr, la victoire de Samothrace au centre, mais vous devez repérer peut-être aussi des statues sumériennes et néo-sumériennes, et ici une architecture qu'on pensait à l'époque assyrienne et perse, ici pour ce mélange, c'est un mélange. Donc vous êtes aussi, la Mésopotamie est représentée sur cette affiche, et l'idée était justement d'avoir aussi bien des œuvres d'art, une esthétique, que
que le développement de l'archéologie et de musées archéologiques au sein du Palais du Louvre. Alors, ceci donne aujourd'hui un musée qui est l'héritier de ces mouvements nés à la fin du XVIIIe, développés au XIXe et ensuite au XXe siècle, avec au XXe siècle, une forme de pragmatisme qui a fait que certaines collections ont quitté le Palais du Louvre pour des questions d'espace et qu'aujourd'hui ne reste que ce qui a été consacré comme essentiel pour diverses raisons et au milieu desquelles, évidemment, se trouve le département des antiquités orientales. Tandis que, par exemple, les arts asiatiques sont partis, l'art moderne a été envoyé dans d'autres musées, musée d'Orsay, qui est le musée Pompidou, le centre Pompidou. Les collections d'antiquités orientales sont restées avec donc les autres départements qui forment aujourd'hui le musée du Louvre et qui sont celui des antiquités égyptiennes, des antiquités grecques, étrusques et romaines, et puis le département des arts de l'islam qui est quelque part le prolongement chronologique de nos collections qui recouvre, on va en parler, la même aire géographique immense qui recouvre le Moyen-Orient. Et qui jusqu'en 2003 faisait partie du département des antiquités orientales. Et puis ensuite, nous avons des départements de beaux-arts, les peintures avec évidemment la Joconde, et puis le département de sculpture, des objets d'art et des arts graphiques. Alors, maintenant, je vais effectivement m'appesantir sur ce département qui, je crois, est celui qui a le plus de liens directs avec l'Irak, ce département des antiquités orientales qui, s'il y avait quelques noyaux, quelques collections présentes dans les collections royales, donc dès le XVIIe et le XVIIIe, c'est en fait développé au XIXe, vous le savez, avec la redécouverte du passé moyen-oriental et en particulier mésopotamien, puisque là encore, je pense que certains d'entre vous le savent bien, c'est en Mésopotamie, c'est en Irak qu'on a fait cette redécouverte, et là j'en viens à un lien finalement originel et viscéral entre la France et l'Irak, puisque cela s'est passé au nord de la Mésopotamie, avec la redécouverte des Assyriens que l'on connaissait par la Bible, par les auteurs grecs, mais donc on les connaissait de manière indirecte. Et grâce à une fouille française sur le sol aujourd'hui irakien, on a pour la première fois au milieu du 19e retrouvé des vestiges directs des Assyriens et donc accédé à l'art assyrien de manière désormais directe. Alors ça a été tout à fait sensationnel, c'est le musée assyrien qui présentait d'ailleurs ses œuvres. Donc ce sont les œuvres que vous voyez à l'écran qui ont été ses tout premiers contacts avec des civilisations mésopotamiennes que l'on n'avait plus jamais rencontrées depuis en l'occurrence 2500 ans. Donc ça a été le musée assyrien ouvert en 1847 qui est le premier musée d'archéologie orientale au monde et d'archéologie mésopotamienne. Et qui présentait donc les œuvres provenant de Khorsabad, donc dans le triangle assyrien, dans le nord de l'Irak actuel. Alors, vous connaissez Khorsabad, en plus, je ne vais pas vous en reparler à l'excès parce que j'avais eu l'honneur de vous en parler il y a quelques années, mais je rappelle donc ces personnages qui ont œuvré à la redécouverte de la Mésopotamie et en même temps eu la chance, puisque c'est aussi une affaire de chance en archéologie, que de retrouver Khorsabad, donc avec Paul-Émile Botta, en 1843, suivi quelques 10 ans plus tard de Victor Place. Ce sont les deux fouilleurs qui ont mis au jour, inventé, comme on dit en archéologie, le site de Khorsabad. Khorsabad, qui est donc cette ancienne capitale assyrienne, l'une des plus brèves de l'Empire néo-assyrien au premier millénaire avant notre ère, donc la capitale de Sargon II. Et vous voyez ici, d'abord, en fait, le musée assyrien, c'est une gravure publiée dans la presse française en 1847 et qui atteste du succès assez remarquable de ce musée. Je vous l'avais dit la précédente fois, mais à l'époque, le musée du Louvre n'était que très peu ouvert et le succès incroyable
du musée assyrien a obligé à ouvrir tous les jours, ce qui peut nous paraître normal, mais qui ne l'était pas du tout au milieu du 19e siècle. Et c'est cette fouille qui d'ailleurs, je pense qu'il faut, il faut rendre hommage à Paul-Émile Botta, qui était un excellent arabisant, qui avait circulé dans différents pays du Moyen-Orient avant de, comme il le dit lui-même, d'être particulièrement heureux à Khorsabad. Paul-Émile Botta inaugure une tradition qui me permet d'ajouter une troisième touche et de faire une forme de triangle, parce que si j'ai parlé, et je vais continuer de parler, des liens très forts entre la France et l'Irak, entre le musée du Louvre et le musée national d'Irak et le service des antiquités d'Irak, eh bien, c'est aussi une affaire de diplomatie. Et je salue encore l'ambassade de France. Cette histoire qui allie aussi les réseaux diplomatiques français en particulier, elle a commencé dès le départ, puisque Paul-Émile Botta n'était pas un agent du Louvre, mais un consul de France en poste à Mossoul, et qui a véritablement dédié des années, un certain nombre de ses finances personnelles et de ses efforts physiques, pour fouiller Khorsabad, et je ne reviendrai pas non plus trop dessus, mais le fouiller de manière étonnamment savante et appliquée pour une toute première fouille de l'histoire de l'archéologie mésopotamienne, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, grâce à l'application de Paul-Émile Botta et de ceux qui l'accompagnaient, notamment le dessinateur Flandin, eh bien on peut situer précisément, comme aujourd'hui sur une fouille en quelque sorte, les différents reliefs et autres vestiges qu'il y a découverts. Donc à côté de l'aspect spectaculaire des vestiges qu'il a mis au jour et qui ont été révélés au public, il y a aussi ce travail de fourmi de Paul-Émile Botta, qui a, on va dire, noté méticuleusement où se trouvait tout sur les plans, même s'il découvrait en même temps tout ce qu'il voyait, qu'il ne le comprenait pas. Et ça, c'est très visible. Il dit souvent « je ne sais pas ce que c'est, et donc je dois être particulièrement appliqué pour que mes notes puissent servir de manière fiable ». Et c'est ce qu'il a fait notamment en matière d'inscription, puisqu'il a aussi trouvé énormément d'inscriptions cunéiformes dont on sait aujourd'hui qu'elles sont en néo-assyrien, mais qu'il a patiemment copiées alors qu'il n'en comprenait pas un traître signe, si je puis dire, puisque c'est grâce à la moisson d'inscriptions cunéiformes qu'il a rapportées de Khorsabad qu'on a, quelques 10 ans plus tard, pu déchiffrer l'assyrien et comprendre finalement ces textes, et de nouveau entendre les Assyriens directement. Alors, l'autre image sur cette diapositive, c'est cette photo qui est également une innovation, puisque Victor Place, qui est également en photo, quelques 10 ans après Paul-Émile Botta, retourne à Khorsabad pour compléter la documentation, continuer de mieux connaître ce site et l'histoire assyrienne qu'elle révèle. Et il l'emploie pour la première fois dans l'histoire de l'archéologie orientale, qui naît en même temps, le procédé photographique. Nous avons donc ici un calotype qui montre l'équipe fouillant ici la porte 3 de la ville de Khorsabad. Alors comme ici c'est une gravure qui vous parle du musée, j'ai aussi mis cette citation parce que quand je parle de révélation, l'alliance de la diplomatie française à travers ces deux consuls, hein, puisque Victor Place remplace Botta au poste de consul de Mossoul, ces deux consuls, avec l'aide du Louvre, qui exposent les œuvres, leurs découvertes en Irak, ont révélé non pas seulement cette histoire antique, mais quelque part bousculé les codes et ce qu'on appelait à l'époque la hiérarchie des arts. Et vous avez notamment Adrien de Lontarier, qui est une figure très importante du musée du Louvre au 19e, qui écrit « Les écoles d'artistes crétois et rhodiens, c'est-à-dire les Grecs, qui étaient depuis le 18e considérés comme les tenants de la suprématie de l'esthétique en quelque sorte, ont fort bien pu emprunter des notions à ces habiles sculpteurs assyriens. » Je n'ai mis qu'une seule citation, mais en réalité, il y aurait toute une conférence à faire sur les débats qui vont animer les cercles savants, artistiques et même mondains au milieu du 19e,
qui reconnaissent ce que je crois l'on voit tous, à savoir que l'art assyrien est absolument admirable de technique et de beauté, pas seulement intéressant pour leur aspect historique, et c'est en soi une révélation et ça bouscule les codes de l'époque. Alors, quand on parle de Khorsabad, cet honneur finalement qui a échu à la France par cette redécouverte initiale fait parfois oublier que quelques 30 ans après, eh bien, un autre consul de France, beaucoup plus au sud, a lui aussi initié une découverte importante pour, on va dire, la connaissance de l'histoire antique mésopotamienne. C'est sur le site de Tello, le consul de Bassora, Ernest de Sarzec, donc toujours un consul de France, un autre diplomate, qui en poste beaucoup plus au sud donc, du pays, a initié des fouilles sur le site de Tello, un site énorme, dont le nom même fait référence aux nombreux tels qui le parsèment, un site donc difficile à lire encore aujourd'hui. Voici Ernest de Sarzec et son complice du musée du Louvre, le musée du Louvre étant depuis le musée assyrien particulièrement engagé dans la volonté de mieux connaître ce patrimoine exceptionnel qu'on pouvait étudier en Irak, en Mésopotamie. C'est donc Léon Euzet, le conservateur des Antiques, qui va d'ailleurs participer à la création officielle du département des Antiquités orientales qui succède au musée assyrien. Ce sont des affaires administratives, donc c'est simplement une reconnaissance administrative, mais Léon Euzet était tout à fait, d'ailleurs, comme Botta, comme Plath et comme Sarzec, on pourrait dire des amoureux de la Mésopotamie, de très très grands curieux qui, encore une fois, y ont laissé beaucoup de sueur, d'argent, d'efforts, parfois de maladies. En l'occurrence, Ernest de Sarzec est mort des fièvres qu'il avait attrapées dans les chaleurs et les marais du sud de l'Irak. Mais avant cela, il a quand même pu faire des découvertes assez exceptionnelles, vous le savez. À Tello, il a trouvé un matériel tout à fait nouveau, un matériel aussi bien visuel qu'écrit, puisque si l'on avait déchiffré les inscriptions assyriennes à l'époque, eh bien, on ne pouvait pas lire, à la découverte des monuments de Tello, les inscriptions qu'elles portaient, quand bien même c'était également des signes cunéiformes. Alors on le sait aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, enfin, ils l'ont su d'ailleurs assez vite, hein, Tello a révélé la culture sumérienne, c'est-à-dire que tout d'un coup, on faisait un bond dans le temps et que les vestiges que l'on avait trouvés du premier millénaire avant notre ère, que l'on connaissait encore indirectement, eh bien, n'avaient rien à voir avec ce matériel qui, lui, était rattaché à des périodes presque totalement oubliées du troisième millénaire avant notre ère. On l'a su notamment grâce à un autre agent du Louvre, que vous voyez ici plutôt en fin de carrière, mais qui était plus jeune, donc dans les années 1870-1880, quand Tello a révélé ces monuments, c'est François Thureau d'Angin. François Thureau d'Angin, que l'on oublie parfois à tort, puisque c'est un linguiste absolument génial, qui avait travaillé d'ailleurs en Orient avant de travailler au Louvre, il avait travaillé à Istanbul sur les tablettes assyriennes, et qui a en quelque sorte tout de même, sinon déchiffré, du moins marqué un pas décisif dans la compréhension du sumérien. Et quelque part d'ailleurs, ça va être un clin d'œil à quelqu'un dans la salle, parce qu'il publie en 1905, si je ne fais pas d'erreur, les inscriptions de Sumer et d'Akkad, dans lequel il livre la compréhension des textes, des objets sumériens rapportés au Louvre des fouilles de Tello. Donc il en donne la traduction. Et encore aujourd'hui, même si bien sûr les lectures ont un peu évolué, notamment pour les noms propres, il en avait compris le sens. Donc on avait quand même la clé. Alors le clin d'œil, un peu plus. Le clin d'œil, c'est que sa parution française, au départ, passe inaperçue, et il faut attendre 2 ans, la traduction allemande,
pour que la communauté allemande fasse connaître ce travail, on reconnaisse le sérieux, et à partir de là, ça devient vraiment une référence, et on reconnaît que François Pureau-Dangin est en quelque sorte un peu le Champollion du sumérien. C'est plus compliqué, certes, puisque c'est un système beaucoup plus compliqué, vous le savez, plus de 300 signes, et qu'aujourd'hui on revoit certaines de ces lectures, mais tout de même, elles restent d'actualité. Et donc, grâce à François Pureau-Dangin, on sait assez vite qu'il s'agit ici du roi Ournanchet, fondateur de la première dynastie de Lagash, donc au milieu du 3e millénaire, et ici du prince Goudéa de Lagash, qui se revendiquait l'héritier de cette première dynastie et donc de la seconde dynastie de Lagash. Alors, les monuments exhumés sont présentés au Louvre, dans les salles sumériennes, installées par Léon Euzet, mais pas seulement. Et là, je voulais aussi vous donner à voir les efforts qu'ont fait ces savants de la fin du 19e siècle pour quelque part populariser, faire connaître cette Mésopotamie dont l'histoire devenait très sérieusement vertigineuse, puisque vous voyez, on... On était passé donc d'une histoire de 2500 ans en arrière avec Atello, plus de 4000 ans, et en fait très vite, pour ceux qui connaissent la culture d'Obeid, on avait même des vestiges de 6000 ans d'ancienneté. Donc ils ont voulu populariser tout ça en mélangeant un peu les époques, et vous voyez ici des images de l'exposition universelle à Paris en 1889 avec un acteur qui joue Goudéa sur l'un des piliers de Goudéa trouvé par Ernest de Sarzec à Tello, donc pour montrer à la fois la grandeur de l'architecture de briques, même si elle est difficile à lire sur le terrain, il voulait montrer qu'en réalité c'était une architecture très sophistiquée, et il faut lire notamment Léon Euzet dire dans les descriptions que ce petit pilier dont il ne reste que les sous-bassements, eh bien, devait être aussi haut que les colonnes de l'église de la Madeleine à Paris. Il tâche vraiment de faire œuvre pour montrer la grandeur et l'importance de ce patrimoine. Donc un acteur qui joue Goudéa, avec derrière, vous le voyez, une évocation des reliefs assyriens, des merlons qui surmontaient aussi les bâtiments, et puis ces mosaïques qui évoquent déjà ce que les Allemands trouveront à Uruk et qu'ils avaient vu en partie à Tello, mais beaucoup plus ruiné. Ça, c'est une autre vue plus lointaine où vous reconnaissez quelques moulages célèbres, dont l'obélisque de Salmanazar. Alors tout ça était dans des bâtiments qui devaient évoquer l'architecture assyrienne, et ici, c'est la maison à la syrienne inspirée de ce qui avait été trouvé à Khorsabad, et qui était encore un peu plus popularisée, même si l'exposition universelle était déjà très fréquentée, par ces petites images qui étaient distribuées avec des chocolats et d'autres produits. C'était des images publicitaires, mais on sait combien la publicité peut faire connaître les choses. Alors, pardon. En revanche, jusqu'au XXe siècle, paradoxalement, eh bien, on parle de la Babylonie, des Sumériens, des Assyriens. Et la notion de Mésopotamie, en tout cas d'un point de vue scientifique, comme on l'entend aujourd'hui pour le passé de l'Irak antique, eh bien, elle est arrivée plus tard. Alors là, je n'ai pas fait une recherche absolue et vous pourriez peut-être trouver d'autres savants, mais c'est un mouvement qui se fait dans l'entre-deux-guerres, une époque où il y a énormément de fouilles sur le territoire irakien, et où on va faire renaître ce terme, un terme étranger, un terme grec, qui dit que c'est le pays entre les deux fleuves, qui était apparu au 4e siècle avant notre ère pour désigner le territoire mésopotamien, mais qui n'apparaît pas dans les sources cunéiformes, ne se désignait pas comme tel, et qui va quelque part donc renaître dans l'entre-deux-guerres, et notamment par une dernière figure que je vais évoquer parmi les amoureux de la Mésopotamie au département des Antiquités orientales, c'est André Parot, également un des anciens directeurs du département, une très grande figure de l'archéologie,
en Irak, en Syrie, l'inventeur du site de Marie notamment. Et à Marie, il va trouver une culture qui l'étonne, parce qu'après avoir fouillé à Larsa, à Tello, eh bien, il retrouve un matériel extrêmement proche. Et il se dit qu'à des milliers de kilomètres, eh bien, ça montre l'expansion de la culture qu'il avait d'abord pensée comme strictement sumérienne, alors qu'on est sur le Moyen-Euphrate, en Syrie. Et parallèlement, vous le savez peut-être, dans l'entre-deux-guerres, d'autres campagnes étaient en cours, notamment celle de l'Oriental Institute de Chicago, dans la vallée de la Diyala, et en particulier donc sur des sites qu'à l'époque ils n'ont pas encore bien identifiés, Ashnunak, donc Eshnuna, et Opis, qui en fait s'avérera être Rafadje. Donc c'est Toutou. Et André Parot et Frank Fort, le fouilleur de la Diyala, s'aimaient bien, étaient amis, se rencontrent, se parlent, se montrent leur matériel en allant voir et l'un et l'autre, sont frappés par les ressemblances. Aujourd'hui, on tendrait peut-être à voir les spécificités, mais il est vrai qu'ils voient aussi une certaine communauté culturelle. Et ça vaut à André Parot d'écrire un article en 1934 qui s'appelle « La civilisation mésopotamienne », dans lequel il dit, donc en se basant sur ces comparaisons entre le matériel de la Diyala et de Marie, là où nous nous séparons cette fois, c'est que si nous constatons une culture identique, Francfort, donc l'américain, l'appelle toujours sumérienne, alors que nous n'acceptons plus que mésopotamienne. Et en fait, au moins pour les études françaises, c'est le début d'un changement d'échelle avec la perception d'une unité dans la pluralité, si je puis dire. C'est-à-dire de considérer que malgré l'étendue chronologique, et le fait que l'Irak est un grand pays, eh bien, on a quand même une culture mésopotamienne qui se poursuit et qui se perpétue de manière assez remarquable tout au long de ce que l'on appelle l'époque historique. C'est-à-dire que d'abord, comme vecteur commun, c'est le cunéiforme. Nous avons des sources écrites qui apparaissent à la fin du 4e millénaire, jusqu'autour de notre ère, et qu'il y a une unité qui se marque notamment par le fait que l'on va copier et recopier les textes des tablettes cunéiformes, construire et reconstruire les temples notamment, mais aussi les palais, se souvenir, recopier les listes royales. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué, vous le savez, on a oublié même au cours de l'histoire antique certains rois sumériens, mais globalement, c'est vraiment une étape importante dans l'évolution de la perception de la civilisation mésopotamienne, en tout cas pour les études françaises. Alors, j'en ai cité que quelques-uns et je ne veux pas être trop longue. Là, j'ai cité certaines de nos plus grandes gloires et encore une fois de ceux qui étaient le plus attachés à votre pays d'une certaine manière où ils y ont passé des mois, sinon des années. C'est aussi grâce à ces travaux scientifiques très patients, si je puis dire, et physiques, que nous avons l'honneur aujourd'hui de présenter en temps normal à des millions de visiteurs le patrimoine mésopotamien issu de ces travaux, et donc notamment de Tello, de Larsa, de Khorsabad, et j'en passe. Dans ces salles que certains d'entre vous connaissent, et dont je me suis permise de mettre quelques photos, parce que en temps de Covid, ou j'espère bientôt de post-Covid, comme les voyages ne sont pas faciles, voilà, j'en ai mis quelques-unes. Ici, c'est la première de nos salles dans laquelle on présente justement la civilisation sumérienne. Ici, vous retrouvez le relief d'Ournanché que nous avons vu tout à l'heure. Ici, c'est une salle qui est dédiée à la découverte de la deuxième dynastie de Lagash, donc à ces découvertes de Tello qui sont arrivées à la fin du 19e siècle, donc issues de ces fouilles de Sarzec. Nous avons également, bien sûr, le très grand honneur de présenter le code de Hammurabi. C'est une petite incise pour ceux qui ne le savent pas, qui est lié à certains des nombreux aléas de l'histoire, puisque cette œuvre insigne a été découverte en Iran par des fouilles françaises et que l'on a su, grâce à d'autres inscriptions, qu'elle avait été emportée dans l'Antiquité des siècles précédents par un roi élamite qui avait fait un raid sur la Babylonie et qui
j'irai t'emporter un certain nombre des monuments les plus anciens de l'histoire mésopotamienne, dont le code de Hammurabi. Et puis nous avons évidemment, noyau de la collection du département, l'honneur de présenter ici une évocation du palais de Khorsabad, donc dans ce palais royal du Louvre infiniment plus récent, mais dont la hauteur est à peu près la bonne. Et puis nous terminons avec, pour ceux qui les connaissent, des salles dans lesquelles on peut en savoir encore un peu plus sur la culture assyrienne, sur les autres capitales, pour recontextualiser Khorsabad, à Nimroud, à Ninive, et puis évidemment aussi sur la culture babylonienne ses suites aux époques séleucides et partes. Alors évidemment, nous ne présentons que quelques objets, et quand on se promène au Musée national d'Irak, on a l'impression que ce sont des échantillons, mais j'espère en tout cas, comme nous sommes au Louvre, que nous avons l'honneur aussi d'avoir tant de visiteurs, que nous sommes une tribune, sinon la meilleure tribune, en tout cas nous essayons d'être la meilleure possible pour présenter et faire connaître ce patrimoine mésopotamien, à la redécouverte duquel on a une forme de fierté d'avoir participé avec l'action de nos diplomates. Alors aujourd'hui, parce que cette histoire, en fait, elle a aussi beaucoup d'autres épisodes dans d'autres pays, le département des Antiquités orientales, c'est plus de 150 000 objets, c'est fréquent pour les objets archéologiques, on a beaucoup de séries, beaucoup d'objets d'études, et qui couvre un très large champ, depuis l'Asie centrale jusqu'à l'Espagne, et depuis le Caucase jusqu'à la Corne de l'Afrique. Ce sont d'autres missions archéologiques qui ont permis d'élargir ce spectre, et je pense que ce qui est peut-être intéressant, c'est que finalement, beaucoup de ces missions ont aussi permis à la fois d'interroger et d'enrichir en même temps ce que certains appellent parfois le mésopocentrisme. On est parti de là, c'est vrai, c'est par là qu'on a commencé à redécouvrir l'Antiquité orientale, et c'est de toute façon, on a eu l'occasion parfois d'en parler, un carrefour évident sur le plan géographique, évident par les circulations terrestres, fluviales, maritimes. Donc il y a des raisons pour soutenir cette idée que la Mésopotamie est au centre et a été enrichie culturellement et finalement irriguée, si je puis dire, par ses voisins, plus ou moins proches, parfois lointains, parce qu'il y a des échanges à longue distance, et en même temps, elle aussi, donc, rayonner très largement, et pas seulement dans le cadre des empires du premier millénaire, qui ont été une expansion politique du fait de la conquête militaire. Donc la Mésopotamie a rayonné culturellement, et quelque part, on est aussi assez fiers qu'au Louvre, marche plus. Ah si, ça remarche. Donc, vous m'entendez. On peut le remettre en avant dans nos salles, et j'ai pris que quelques exemples de salles qui ne sont pas les salles mésopotamiennes, mais dans lesquelles, par exemple, ici, avec les découvertes sur le port d'Ougarit en Syrie, eh bien, on montre l'un des postes où le cunéiforme, la culture mésopotamienne, les mythes d'ailleurs, ont également irrigué cette culture beaucoup plus méditerranéenne, par exemple. Et également, ici, avec cette salle qui est dévolue au palais de Darius à Suse, sur le plateau iranien, eh bien, je pense qu'un certain nombre d'entre vous peut se dire ce que se sont dit les fouilleurs et ce que se disait Darius lui-même, puisqu'il avait fait venir des Babyloniens, notamment pour les travaux sur les briques émaillées, une spécialité qui était un peu plus développée, notamment évidemment à Babylone, mais comme on le voit au Musée national d'Irak, également en Assyrie, avant les Babyloniens. Même le chapiteau lui-même emprunte beaucoup à certains aspects de la culture mésopotamienne qui avait été très admirée par les textes. Alors, ça c'était pour nos salles. Je vais également vous évoquer ce qu'est le département des Antiquités orientales, parce qu'on est donc une tribune pour l'art mésopotamien, pour le replacer dans un contexte plus large, mais également pour continuer de l'étudier. Et nous sommes
effectivement très honorée d'avoir autant d'œuvres, mais c'est donc une lourde charge et une responsabilité que de les rendre accessibles à tous et en même temps de les conserver et de les étudier comme il se doit. Donc je vous montre ici, eh bien, c'est ce matériel d'étude qui explique aussi le très grand nombre que l'on affiche. Ici, ce sont des briques du 11 d'Iran. On a aussi la chance d'avoir un laboratoire, pour ceux qui l'ignorent, un laboratoire qui permet d'étudier avec l'apport des sciences dures les œuvres que l'on conserve, mais aussi les œuvres que d'autres musées, d'autres pays souhaiteraient nous confier pour qu'elles soient étudiées, pour qu'elles soient restaurées. Et ici, vous voyez notamment une œuvre qui est en train d'être examinée à l'accélérateur de particules. Nous sommes le seul musée au monde à avoir un accélérateur de particules. C'est un dispositif extrêmement sophistiqué et qui a pour avantage absolument unique de pouvoir faire des analyses sans prélèvement. L'œuvre en ressort totalement intacte et ici, c'est une petite sculpture de Tello de la fin du 3e millénaire. Évidemment, on a aussi un très important service d'études et de documentation avec des dossiers. Donc c'est bête, hein, je les ai mis à l'écran, des dossiers, des bases de données, des éléments qui sont autant de ressources qui sont, nous sommes un service public, accessible à tous et à commencer par nos partenaires et donc ceux qui s'intéressent à la Mésopotamie, évidemment ici en Irak. Nous avons également une sorte de trésor de guerre qui sont les archives, puisque actifs depuis le milieu du 19e siècle, nous avons en fait accumulé des documents qui étaient au départ souvent des documents de travail. Je vous ai parlé des photos de place. Il ne les a même pas publiées dans sa publication très riche et très luxueuse, parce qu'à l'époque, il a mis les gravures. Mais du coup, les photos aujourd'hui ont une valeur tout à fait insigne. Et c'est le cas aussi de ces photos ici, photos de fouilles de Tello, donc à la fin du 19e siècle, où vous revoyez, mais cette fois in situ, le pilier de Boudéa tel qu'il avait été en quelque sorte reconstitué pour l'exposition universelle. Donc ça, sur les fouilles de Sarzec. Donc vous voyez, je lis pour ne pas vous dire de bêtises, nous avons aujourd'hui environ 28 000 photographies calotiques, plaques de verre, également diapositives. Et ce, donc, depuis le milieu du 19e jusqu'à nos jours. On continue d'ailleurs de les collecter. Et je sais que dans le cas d'un certain nombre de monuments détruits, on a été mis à contribution pour montrer et donner des documents pour renseigner l'état de ces bâtiments à telle ou telle époque. Et nous continuons donc de les conserver, de les étudier, de les rendre accessibles et de les numériser autant que possible. Alors, les archives, évidemment, je vous ai dit, documents de travail, ce ne sont pas que les photographies, et nous avons, là j'ai mis un petit florilège, énormément d'archives papier. Alors, les archives papier, j'ai mis 66 000 items comptabilisés à ce jour, et c'est extrêmement varié, ce sont bien sûr les documents nécessaires à une fouille, les registres d'inventaire d'objets à fonctionnaires dans tel ou tel musée, les fiches d'objets et évidemment aussi les relevés avant les relevés définitifs généralement publiés, les relevés et esquisses sur le chantier même, mais également des aquarelles et aussi tout ce qui relève de l'administration ou de la vie quotidienne des missions, donc documents administratifs, livres de comptes, factures, livres de dépenses, courriers, correspondances officielles ou non. Et tout cela, c'est aussi, je pense, très intéressant pour documenter la méthode de fouille, l'histoire moderne de l'archéologie mésopotamienne, qui en soi, je dois dire, est quand même une science absolument admirable, puisqu'elle est remarquablement récente parmi la plupart des autres domaines archéologiques. Hein. Elle a à peine 170 ans, et on a déjà réussi à retrouver 12 000 ans d'histoire. Alors, d'une certaine manière, la moindre fouille à venir peut contredire certains de ce que l'on prétend en étant tous absolument convaincus de bonne foi, mais c'est ce qui fait aussi, je crois, l'intérêt de cette science qui donne une leçon d'humilité à qui s'y appelle, mais tout de même, en 170 ans, on a réussi à retrouver plus de 15 langues, X systèmes d'écriture outre le cunéiforme et surtout cette très très longue et très vaste histoire. Alors, pour revenir aux archives, ici précisément,
inventé quelque part le département d'identité orientale. Et puis André Parro, dont on a parlé, qui ici, alors je ne sais pas si cet auteur existe ou pas, mais en tout cas en 1933, André Parro a sans doute passé la seule nuit agréable de toute son année 1933, puisqu'il décrit dans cette lettre des déboires absolument terribles entre Tello et Larsa, des pluies diluviennes qui expliquent le mythe du déluge, des ponts qui s'effondrent derrière lui alors qu'il est parti chercher des vivres parce qu'il était coupé de tout et qu'en gros ils avaient faim, puis ensuite des maladies qui ont touché la moitié de l'équipe. Enfin, en gros, sa lettre est une suite de catastrophes, mais en même temps positif puisqu'il a réussi à aller à Bagdad. Malheureusement, on sait par d'autres courriers que la force que vous voyez ici, qui était sa voiture, n'a pas survécu à l'année 1933 et à tous ses malheurs, et a donc disparu. Elle n'a pas fait les missions de Marie qui lui ont succédé. Alors, évidemment, à côté de cela, fondamentalement, nous sommes responsables des collections patrimoniales, donc des objets archéologiques qui sont conservés au département, et nous avons donc à ce titre ce qu'on appelle un plan global de conservation préventive et mis en place depuis plusieurs années, des chantiers de collection tout à fait, je dirais, presque pharaoniques, c'est un peu déplacé ici, et vous voyez donc des équipes qui reconditionnent systématiquement toutes les collections pour qu'elles soient conservées, je vais vous passer ça, mais dans des matériaux neutres, dans des conditions qui sont les conditions optimales. Et je le dis, non pas du tout pour donner des leçons, mais parce que, encore une fois, en archéologie et dans les musées en général, surtout du fait de la quantité en archéologie, c'est très difficile d'arriver à l'idéal. Donc, nous tâchons d'arriver par des chantiers énormes, mais en réalité, nous avons aussi du travail. Et vous voyez ici les équipes en train de reconditionner des œuvres qui, aujourd'hui, grâce à ce travail, sont mieux et toujours mieux conservées. Alors, également, l'une de nos missions fondamentales est évidemment la valorisation de ces œuvres auprès du public le plus large possible. Et si cela passe bien sûr par les salles permanentes, ce que je vous ai montré, cela passe aussi par une politique, si je puis dire, d'exposition temporaire, dont on sait qu'elles peuvent remporter un assez grand succès. Et ce n'est pas du tout du chiffre, c'est parce que le succès veut aussi dire qu'on a sensibilisé plus de monde. Alors là, on vous a mis une mosaïque de sujets qui vous montre aussi combien la Mésopotamie est centrale dans nos activités, puisque vous retrouvez notamment cette fameuse figurine venant de Gila dans cette exposition sur laquelle on s'était concentré sur les pierres. J'en passe, hein, mais Babylone, qui a été une exposition tout à fait importante pour montrer l'histoire plurimillénaire de Babylone et le mythe qui s'en est suivi, la mémoire inconsciente de Babylone jusqu'à nos jours. Et puis évidemment aussi ces expositions dédiées à l'histoire de la Mésopotamie sur ces 3000 ans depuis l'apparition de l'écriture cunéiforme, qui s'est tenue au Louvre Lens et qui a connu un nouvel opus cette année aux États-Unis. Nous avons tâché de faire mieux connaître le patrimoine mésopotamien. C'était la première exposition sur le sujet, sur la côte ouest des États-Unis, en l'occurrence au Getty. Et nous espérons par là que plus de monde a été sensibilisé à l'importance de cette civilisation mésopotamienne qui est tellement plus ancienne que la culture américaine. Alors, donc c'est juste un schéma, sans doute un peu mégalomane, qui a été fait par des collègues et qui vous montre finalement la capacité à toucher un très grand nombre de personnes du musée du Louvre. Et ce n'est pas pour dire nous sommes le plus grand musée du monde, c'est vrai, mais peu importe. C'est surtout parce que, en effet, auprès de millions de visiteurs au Louvre à Paris, comme auprès de nos différents partenaires dans le monde, le Louvre a cette capacité et je crois que nous espérons la mettre au service des patrimoines qui en ont le plus besoin. Alors cette carte est un peu absurde,
nous remercions les pays qui nous permettent de le faire. Nous tâchons de continuer d'avoir des activités archéologiques. Lors de la présentation, on m'a rappelé que j'avais eu la chance de pouvoir fouiller en Irak et j'en suis très reconnaissante aux autorités irakiennes qui permettent que ces fouilles se poursuivent. C'est extrêmement important, je crois, pour tous les archéologues de connaître leur terrain d'étude. Et je tiens à saluer aussi le phénomène, enfin, comment dire, la pratique un peu plus nouvelle des cartes archéologiques, hein, qui, je crois, sont un outil absolument fondamental de connaissance et de compréhension du territoire et que j'ai également découvert grâce à l'Irak qu'il avait promu. Alors, évidemment, le Louvre est également actif sur d'autres champs d'études, comme vous le voyez ici. Alors, nous avons aussi un certain nombre de partenariats et nous mettons pour cela au service, en particulier nos équipes scientifiques, mais pas seulement. Donc là, vous avez quelques chiffres. Nous sommes 2000 agents, 66 conservateurs et 180 personnels scientifiques qui œuvrent donc chaque fois quelque part qu'on nous le demande. En fait, on essaie jusqu'à présent de répondre aux différentes sollicitations. Alors, pour revenir à nos liens, eh bien, nous avions eu le grand bonheur d'accueillir une délégation irakienne en 2016. Nous espérons fortement que, si c'est le souhait de nos partenaires irakiens, on puisse renouveler l'expérience. Vous voyez ici dans la cour Corsaval cette délégation qui avait aidé au montage de l'exposition L'histoire commence en Mésopotamie et qui avait donc à cet effet rencontré le président de la République d'alors, M. François Hollande, qui avait inauguré l'exposition et qui avait donc eu la chance de rencontrer certains des collègues irakiens, notamment du Musée national d'Irak, comme vous le voyez à droite. Alors, là, j'ai mis les expertises pour lesquelles on est les plus sollicités en vous priant d'excuser le fait que ce soit en anglais. Bon, sans surprise, hein, nos champs d'action sont, je viens de l'aborder, la gestion des collections, la médiation, la manière dont on peut faire le lien entre des collections et des publics qui sont si variés. Et puis évidemment, donc, la gestion du musée en tant que tel, la gestion de musées que l'on rénove, que l'on crée, que l'on modifie. Évidemment, aussi la protection du patrimoine dit en danger. Alors à ce sujet, de nouveau un lien particulier entre la France et l'Irak autour de la cour Corsaval, avec au printemps 2015, donc M. François Hollande, donc précédent président de la République française, qui était venu après ce qui s'était passé en Irak, et notamment à Mossoul, qui était venu en urgence quelque part réagir immédiatement dans la cour Corsaval du Louvre, de manière symbolique, pour demander un rapport sur le patrimoine en danger et annoncer donc cette exposition qui s'est faite en partie donc avec l'aide de collègues irakiens, comme je viens de le dire. Alors, ça a donné lieu à un rapport qui s'appelle 50 propositions françaises pour protéger le patrimoine de l'humanité, qui avait été présenté au G7 par notre tout juste précédent président-directeur du musée, Jean-Luc Martinez, donc aux différents chefs d'État, et dans lesquels il avait surtout alerté sur les dangers, non pas seulement des zones de conflits armés, comme ça avait été le cas à Mossoul ou ailleurs, mais aussi sur le trafic des antiquités, dont on sait que c'est un fléau qui touche particulièrement l'Irak. Donc avec un certain nombre de propositions, dont celle de créer ce qui est aujourd'hui Alif, donc pour venir en aide justement à ces situations d'urgence pour protéger le patrimoine. Et c'est de nouveau dans la cour Corsaval que vous reconnaissez que M. François Hollande avait donc lancé la conférence des donateurs, la toute première, avant celle d'Abu Dhabi, donc pour annoncer cette création en mars 2017. Alors, vraiment, c'était juste pour souligner quelque part que dans les lieux même, il y a eu une imbrication rappelée cette fois-là encore entre finalement le musée du Louvre, la diplomatie évidemment, et le patrimoine et tous les responsables du patrimoine irakien.
Puisque nous parlons de Corsabar, je vous ai remis ici peintures et photographies qui documentaient ce site, parce que c'est aussi un lien direct avec l'une des actions qui a découlé de la création d'Alif et qui m'a donné la chance, ainsi qu'à un certain nombre de collègues du Musée du Louvre, d'être un peu plus présents aux côtés de nos collègues irakiens. C'était le projet de Mossoul. Alors, avant de vous en parler, je voulais aussi rappeler que, quelque part, Mossoul, c'est donc dans le triangle assyrien, face à Ninive, tout près de Corsabar. Il y avait donc des raisons, finalement, historiques et scientifiques que le Louvre s'engage. Mais au-delà de la reconstruction, il y a bien les questions de trafic. J'ai mis à dessein ces foules, parce que, bien sûr, nous faisons tout ce que nous pouvons auprès des services de police, des services de douane et je l'espère toujours plus auprès de nos partenaires irakiens, mais nous essayons aussi de sensibiliser au sein même du Louvre et en ligne, parce que le Louvre c'est aussi une capacité d'action en ligne, avec par exemple la visite virtuelle du site de Corsabar dont je vous avais parlé, je ne reviens pas là-dessus, mais vous vous en souvenez peut-être, faisait une alerte toute particulière sur le pillage conséquent de zones que l'on connaît particulièrement bien, puisqu'ici on est au niveau de la citadelle, c'est-à-dire au niveau du palais royal, et qu'on avait identifié donc des trous de pillage contemporains sur lesquels on alertait dans cette vidéo qui est en ligne et qui est vue dans le très grand public. C'est une petite action, mais encore une fois, c'est à tous les bouts de la chaîne qu'il faut essayer de faire comprendre quel est ce fléau. Alors encore une fois, Corsabar, c'est aussi un lien direct avec la région dans laquelle se trouve Mossoul, et le Louvre a donc répondu avec solidarité, si je puis dire, en considérant que la France, le Louvre même, a connu des temps de guerre, de conflits armés, des craintes tout à fait conséquentes sur son patrimoine il n'y a pas si longtemps, et que s'il nous arrivait la même chose, eh bien on espère que d'autres musées, d'autres collègues répondraient également. Nous avons donc répondu à la demande des autorités irakiennes de contribuer, d'apporter l'aide que nous pouvions à la réhabilitation du musée de Mossoul. Alors, sans surprise, nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons donc d'abord établi, en accord avec les autorités irakiennes, ces différents partenaires, avec évidemment aussi le soutien financier d'Alif. Et c'est donc un attelage avec le Musée du Louvre, la Smithsonian Institution et le War Monuments Fund. Le Musée du Louvre étant particulièrement engagé dans ce qui touche aux restaurations de collections. Alors, très rapidement, je vais simplement rappeler quelques étapes fondamentales. Nous avons ensemble, avec nos collègues irakiens, mis en place les mesures les plus urgentes, qui étaient la protection du site, la mise en sûreté, la protection aussi structurelle des trous béants, par exemple ici, suite à l'explosion de la base du trône dans l'aile assyrienne. Et puis évidemment, la réparation les plus urgentes du toit qui ne pleuve pas dans l'espace. Je vais volontairement assez vite. Une autre action fondamentale était de pouvoir garder une trace, comme sur un chantier archéologique, si je puis dire, de où se trouvaient les différents fragments, puisque ça annonce devant nous un puzzle tout à fait infernal et qu'il est tout à fait fondamental d'essayer aussi de documenter cette étape-là. Il y a également eu un état des lieux sur le bâtiment, les structures, qui lui a été mené par des équipes spécialisées, notamment tchèques. Et tout ceci, cet état des lieux détaillé des collections et du bâtiment, a mené à un plan d'action rédigé en arabe, en anglais et en français, coordonné par le Musée du Louvre et remis aux autorités irakiennes donc fin 2019. Parmi certaines actions, une base de données a été établie et puis
surtout parce qu'on est dans des activités très concrètes, eh bien, livraison de matériel lourd pour œuvrer à la restauration de ces pièces qui, malgré tout ce qu'elles ont subi, restent très monumentales. Livraison également en pleine crise sanitaire, de quoi équiper pour rester connecté avec donc, des ordinateurs, des modems, etc. Et puis, mise en place d'une formation. On s'est adapté quelque part, puisque si nous espérions, et je sais que vous avez dit au départ que le présentiel était irremplaçable, on partage ce point de vue, on espérait pouvoir avoir des formations en présentiel, mais en pleine crise sanitaire, et pour continuer d'avancer, et bien en accord avec nos partenaires irakiens, on a mis en place une formation en ligne, avec des vidéos courtes, sur les sujets qui avaient été jugés prioritaires de manière à ce que les équipes soient les plus formées dès lors que l'on pourrait reprendre les restaurations sur place. Et je vous dis d'ores et déjà que ça a heureusement été le cas dès cette année. Donc, mise en place de vidéos et une plateforme pour ces vidéos sur la restauration, la gestion des collections, la documentation des collections et les questions de projet de musée. Ce sont des sujets tout à fait fondamentaux vu le projet. Et vous voyez ici les équipes irakiennes et françaises à l'œuvre en juin dernier en train donc de procéder aux premières restaurations d'œuvres monumentales qui avaient été donc en partie détruites lors de l'occupation de Mossoul. Voici encore à l'œuvre. Donc j'ai dit c'est un puzzle infernal, mais qui est possible. Et à ce titre, nous avons eu aussi l'aide de nos collègues allemands pour montrer aux équipes de Mossoul que c'était possible. Eux aussi ont fait avec nous l'expérience de la guerre et de ses désastres. Et il y a quelques années, les équipes allemandes ont essayé de ressusciter, comme ce que l'on essaie de faire à Mossoul, ressusciter des œuvres qui avaient été explosées par des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des collections qui viennent de Syrie, de Hala, et vous voyez ici le puzzle infernal qui a été mené et qui a réussi. Donc, avec des séquelles, vous voyez une photo avant la Deuxième Guerre mondiale et ici ressuscité depuis quelques années, mais c'est possible. Et donc, avec du temps, de l'argent, un concours d'expertise solidaire, je pense qu'on peut arriver même à ressusciter les œuvres les plus importantes, comme la stèle du banquet, en partie détruite malheureusement. Alors, nous espérons, parce que c'est un travail très lent, avoir aussi des étapes intermédiaires, comme peut-être des expositions temporaires qui permettent aussi à tous de montrer au sein des équipes et à l'extérieur que les choses avancent, parce qu'elles avancent, mais c'est un travail très laborieux. Et puis, et ce sera ma conclusion, parce que je ne voulais pas en dire trop non plus, nous avons le très grand honneur que, j'espère aussi, suite à ces différentes actions, suite à ces liens historiques que nous avons, eh bien, les autorités irakiennes nous aient appelées pour un travail sur le Musée national d'Irak, pour une expertise sur son bâtiment, sur ces équipements, et encore une fois, je n'en dirai pas plus parce que c'est un travail en cours, mais j'espère que quelque part, ce n'est pas une conclusion, mais c'est la conclusion de mon discours, mais c'est une autre étape qui nous honore toujours plus dans ces liens entre la France, l'Irak, le Louvre et les autorités de Bagdad. Donc nous sommes extrêmement honorés de cette demande qui, évidemment, ne pouvait se terminer sans évoquer la salle absolument magnifique de Korsaba dans le Musée national d'Irak, qui me permet également d'annoncer que nous allons, je crois, avoir quelques questions après lesquelles il y aura une petite surprise en lien aussi, puisqu'on ne fait que des passerelles avec une conférence que j'avais eu l'honneur de donner il y a quelques temps. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et donc surprise à venir autour de Korsaba et de cette visite virtuelle que nous avions menée au Louvre qui est en ligne, à
أسئلك؟ ما حدا عنده سؤال؟ دايما أول سؤال أصعب شيء. في سؤال ليس السلام عليكم. بالنسبة للقطع الأثرية اللي دمرت أثناء يعني غزو داعش أو اعتداء داعش المرحلة هذه في يعني متحف الموصل، هل من الممكن إعادة هذه القطع مثل ما ذكرت حضرتك وهناك قطع يتم ترميمها؟ هل القطع التي دمرت دمرت نهائي أم من الممكن إعادة ترميمها؟ شكرا. Alors, comme je l'ai un peu dit, quelque part, quand on fédère des expertises et que l'on a également la chance d'avoir et du temps et de l'argent, tout ceci n'est pas forcément évident, mais rien n'est jamais complètement impossible. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu montrer cet exemple allemand, parce qu'il montre que rien n'est impossible. Ce qui est plus difficile, mais qui relèvera de choix des autorités irakiennes, des équipes irakiennes, sera la manière dont, une fois restauré, jusqu'où voudra-t-on aller, dans la mesure où la restauration est un art qui peut aller jusqu'à gommer, presque comme de la chirurgie esthétique, les souvenirs de ce qu'a subi une œuvre. On peut aller jusqu'à effacer les traces qui étaient visibles, si vous l'avez vu, sur les œuvres restaurées en Allemagne. Et donc ça, ce sera une question, mais même encore du temps, parce que c'est un travail, encore une fois, très laborieux, de savoir jusqu'où l'Irak souhaite aller dans le fait de ressusciter ses œuvres, en gardant quand même trace de ce qui leur est arrivé, ou en l'effaçant totalement. Et ce sont des questions, il peut y avoir différentes réponses, différents degrés aussi donc, de restauration, avec des expériences très différentes si on se tourne vers malheureusement trop de pays qui ont connu des situations similaires et donc des œuvres ruinées par la guerre. Certains choisissent de l'effacer complètement, d'autres de le garder. Thank you very much, Ariane, for this great presentation. I like it very much. And thank you again for your assistance in the rehabilitation of the Iraq Museum. We are very grateful for you and for your team. And thank you very much, Mr. Ambassador, for your support, great support. And we hope as soon as possible that the excavation of Horsabad, the French expedition, that as soon as possible they come to us and save the site from the looters. As you know, when you excavate there, there will be nothing from to do for the looters there. I hope so, as soon as possible. I have a question. I see you have many documentations and photos and papers in the archives. Are all of them published or not? So first, I thank you so much. Je ne sais pas si je réponds en français ou en anglais. Vaut mieux en français pour qu'il fasse la traduction. Alors, merci infiniment. C'est très aimable. Et c'est également très aimable de souligner combien l'invitation à fouiller à Khorsabad reste valable et ô combien nous espérons pouvoir y répondre le plus tôt possible. Alors, par rapport à la question très concrète et extrêmement importante sur les archives, vous avez vu, ce sont des volumes très importants. Donc, en fait, nous sommes en train de les numériser. Parce que, quant à la publication, tout n'est pas publié. À ce titre, je tiens à rappeler une petite chose, parce que nous avons des équipes parfois très jeunes au département et avec un véritable enthousiasme, certaines nous disaient mais pourquoi est-ce que cette photo fondamentale pour comprendre telle fouille n'a pas été publiée? Et à vrai dire, d'autres générations, je crois, on doit se rappeler que jusqu'à il y a très récemment, les photos c'était très cher, la publication des photos.
photos, c'est encore plus cher, et que pour des questions financières qui ont toujours pesé sur l'archéologie, eh bien, les publications ne pouvaient pas tout publier. Donc c'est aussi pour ça. Donc aujourd'hui, on a la chance de la numérisation et de pouvoir mettre en ligne, non seulement publier scientifiquement et valoriser les archives et ce qu'elles nous disent, mais vu les volumes, notre intention est vraiment de les mettre en ligne, disponibles à tous. Alors, je me permets une petite incise, nous avons réussi cette année à mettre en ligne l'ensemble de nos collections, je parle donc des objets archéologiques en ce qui nous concerne, et donc là, l'étape suivante, c'est de le faire également pour nos archives. شكرا جزيلا لهذه المحاضرة القيمة وفتحتي لنا كثير مجالات انه نتعرف ونسأل أسئلة كثيرة. قد يكون السؤال قد يكون بعيد عن المحاضرة، ولكن دائما من نقرأ التاريخ، نقرأ الحضارة السومرية والحضارة البابلية، دائما يكون رينج بالوقت، يعني يكونون 4000 سنة أو يقولون 4000 إلى 5000 سنة، 4000 إلى 5000 سنة. هل العلم تطور بحيث ممكن نقرب هذا الوقت، هذا الرينج الكبير من 4000 إلى 4500 قد يكون وقت محدد أكثر؟ إيه، ميرسي بوكو. Même pas un siècle, ça peut paraître un peu déroutant parfois qu'on ait des datations sur deux voire plus millénaires. Et ô combien nous y travaillons. Nous y travaillons par l'archéologie et les sciences dures, les datations, les différentes méthodes de datation que vous connaissez peut-être. Donc on essaye véritablement de préciser le spectre. Donc vraiment une intention et une volonté tout à fait forte. Et à ce titre, peut-être je salue, parce que sur ce sujet, l'Irak est un terrain d'étude extrêmement dynamique à l'heure actuelle. Par exemple, le quatrième millénaire, qui est une époque où il se passe énormément de choses, mais que l'on comprend d'autant mieux si on le rattache au cinquième millénaire. Et donc la longue époque que l'on appelle calcolithique est aujourd'hui en train d'être beaucoup mieux connue, beaucoup mieux étudiée, avec des strates chronologiques beaucoup plus précises. Alors, ça va en faire sourire certains, parce qu'en gros, on arrive parfois à du coup, des strates qui correspondent à quelques siècles, ce qui est encore pas assez précis. Mais ensuite, je vais redire, l'une des merveilles de l'archéologie mésopotamienne, c'est l'arrivée du texte, des tablettes cunéiformes, qui, elles, permettent au contraire de dater au jour près, au mois près, on parle même plus d'années, les événements qui sont cités. Donc ça, c'est peut-être l'équilibre impossible sur une histoire aussi longue entre des époques historiques pour lesquelles on a des précisions qui sont parfois même étonnantes, même pour nos collègues qui travaillent sur des périodes plus modernes, et puis des époques préhistoriques sur lesquelles on travaille à préciser les choses, mais je crois qu'on n'arrivera jamais à un état trop précis certain. Hi, good evening. Am I live now? Hi, good evening. Hi, doctor. How are you? You answered a question, you answered the matter a few minutes ago, and mentioned that the monuments of Musa, they will be restored. Hopefully, they will be restored soon enough. My question is to you, do you think they will be restored fully to before what happened or what have been done to those monuments before ISIS? Or is it important to leave some of the damage that's been done to those monuments to show the brutality of the thing that happened, the destruction? I'm really curious to know that. In your opinion, thank you so much, and the slideshow was breathtaking. Thank you. Merci pour votre question. Je crois que ce sujet, votre question, souligne combien le patrimoine est un sujet qui est sensible, qui est l'affaire de tous et en même temps l'affaire d'un territoire et de son histoire particulière, l'affaire d'histoire moderne récente. Et à ce titre, j'ai évoqué des situations, des choix qui peuvent être très différents.
Je ne vais pas répondre à votre question parce qu'encore une fois, selon moi, c'était quelque chose qui doit être décidé par les autorités irakiennes au regard de la situation irakienne et de ce que finalement vous voulez faire de ce patrimoine et de cette histoire récente. Et si vous voulez les dissocier, les associer. J'ai cité Halaf qui a laissé des séquelles, par exemple en France, ce n'est pas sur des objets, mais dans le nord de la France, qui était tellement ravagé après la Première Guerre mondiale qu'on a des papiers officiels qui disent que telle et telle zone ne devront pas être réhabitées avant des années, des décennies, ce qui n'a d'ailleurs pas été suivi. Eh bien, on a reconstruit, on a fait ce qu'on appelle du façadisme. Et par exemple, si vous allez à Arras, qui a été totalement rasé, eh bien, on ne vient pas. Parce que le choix a été fait de ressusciter totalement Arras sans garder trace de la destruction liée à la Première Guerre mondiale. Donc, voilà, vous voyez, je ne réponds pas, je dis juste que les situations, je pense, diffèrent et dépendent véritablement de ce que l'on, de ce que l'on souhaite à un moment donné dans une situation donnée. Bonsoir. Excuse-moi. Merci pour votre visite et merci pour vos efforts avec votre équipe au Louvre. Nous avons un problème ici en Irak, c'est que le citoyen irakien n'est pas en mesure de regarder les vestiges historiques qui existent au Louvre ou partout dans le monde. Vous savez très bien, pas tout le monde pour aller au Louvre, pour regarder ce qui existe là-bas, ou acheter des livres volumineux pour regarder les photos. Il faut que, normalement, je vois que le citoyen simple, ordinaire, a l'accès à regarder les vestiges historiques. Est-ce qu'il y a une façon de faire, par exemple, un musée numérique à trois dimensions, ou quelque chose comme ça, pour quand même rendre le patrimoine irakien un peu accessible à tout le monde. Merci. À vrai dire, en tout cas, aujourd'hui, on développe effectivement beaucoup l'offre en ligne, avec maintenant toutes nos collections qui sont accessibles, des expositions virtuelles que l'on tâche de développer également. Et puis, parce que pour le coup, dans un musée, on tâche quand même aussi de rester ce lieu un peu magique où vous pouvez être en contact direct avec des témoins du passé originaux et physiques, quelque part. La seule chose qui est survécue de cette époque. Donc, à vrai dire, il y a aussi un moyen que l'on développe avec cette carte un peu grandiloquente que j'ai montrée, sont les expositions, les prêts, les dépôts, avec autant de pays que possible, pour que justement partout on puisse voir les œuvres du Louvre. Et j'espère d'ailleurs, dans un échange dans tous les sens, hein, nous recevons aussi, en tout cas nous espérons, et sont bienvenues toutes les collections qui pourraient être montrées. Bon, en gros, voilà, je pense qu'il y a ces deux volets, évidemment, on développe l'offre en ligne. بعد في رح ناخذ بعد سؤالين وصلوا للمدام شكرا جزيلا على هذه الندوة. سؤال: هل عملية تصنيع الطابوق هي مشابهة لطابوق الأهرامات اللي تم توضيحها من قبل جوزيف دافيدوفيتس مع الأخذ بالنظر لاعتبار طبيعة الأرض والتركيب الكيميائي في الشمال والوسط والجنوب؟ السؤال الثاني: فضلا عن ثلاثي الأبعاد، هل من الممكن عمل الفيرتشوال رياليتي او الاوجمنتد رياليتي يكون افضل من ثلاثي الابعاد؟ هل من الممكن اقوي طابات يعني او امكانيات من قبلكم؟ شكرا جزيلا. Thank you.
Alors, merci. Pour les impressions d'objets, on ne le pratique pas trop parce qu'encore une fois, on met en valeur plutôt les originaux. Je crois avoir lu par exemple qu'on imprime maintenant des cellules de maison. Donc, sur le principe, je pense que c'est tout à fait possible. Et on verra ce que. Je crois qu'on a beaucoup de défis à l'avenir dans les musées, dans le patrimoine, donc sans doute c'en est un. Et quant à votre question sur les briques, alors sur les briques et l'Égypte, il y a des choses, il y a des travaux sur la construction en briques avec des tas de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Et peut-être c'est pas tout à fait votre question, ou voilà, peut-être au contraire, donc je vous fournis les deux réponses. Sur les briques émaillées, qui sont une particularité très développée en Mésopotamie, je l'ai un peu évoquée. Nous avons au Louvre, par exemple, un programme de recherche sur les briques émaillées pour essayer justement de comprendre comment s'est développée cette technique qui est si célèbre, notamment par la porte d'Ishtar, en étudiant aussi les briques élamites et puis le spectre large. On appelle les briques mésopotamiennes en Irak et en Syrie. Il y a encore une question et on doit s'arrêter. Bonsoir madame, je voudrais premièrement vous remercier. Vous et votre équipe, bien sûr, qui fait cet effort ici. J'ai une question. Est-ce que c'est possible de trouver un autre monsieur comme monsieur Gota qui vient en Irak ici pour découvrir beaucoup de choses qu'on a tous connues, qu'on a beaucoup de sites historiques qui restent jusqu'à maintenant sous la sable, sous les sables. Et nous avons aussi besoin de garder ce que nous avons découvert à l'avenir. Oui, merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie pour votre question et tous pour avoir assisté à cette conférence, être présent. Par rapport à votre dernière mention sur la valorisation, encore une fois, nous espérons œuvrer à chaque fois qu'on pourra être utile, y compris à Koh Sabah, pour étudier et valoriser ce site. Quant à savoir ce que l'on doit faire, excusez-moi, en fait, je suis un peu fatiguée. Je vous l'avais dit d'ailleurs la dernière fois, je fonctionne comme une pile. Vous m'avez dit juste avant que je suis tout à fait désolée. Votre question exactement avant. J'aurais dû noter. Oui, c'est si. Vota, pardon, j'ai eu un petit court-circuit et j'en suis tout à fait désolée. Et vous voyez que personne, en tout cas moi je suis très faillible. Alors, Bota, je ne sais pas, parce que est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau Bota? Ça paraît incroyable, mais en quelque sorte, je vous ai dit à plusieurs reprises que l'archéologie mésopotamienne était une leçon d'humilité. Dans les cercles très savants du début du 19e, on pressentait qu'il y avait des choses à découvrir, mais certainement pas tout ce qui a suivi. Donc, je ne veux pas vous dire « Oh non, non, on a tout trouvé ». Donc, il me semble que la redécouverte de périodes antiques complètes, de civilisations que l'on ignorerait complètement, je ne sais pas ce qu'on dirait certains au premier rang, me semble moins probable, encore que. En revanche, le fait, je l'ai dit tout à l'heure, de remettre en cause certaines théories, de revoir totalement les chronologies, de comprendre tout à fait différemment les interactions de telle et telle culture dans une zone qui, comme je l'ai dit, est une zone de carrefour profondément métissée et qui du coup se nourrit et rayonne à l'extérieur de tous ces échanges. Donc ces échanges, cette diversité est telle que je pense qu'il y a encore énormément à découvrir et à comprendre. Et là-dessus, aucune inquiétude. Et enfin, et je dirais même que c'est souvent ce qui donne aussi une forme de caractère un peu incroyable à l'archéologie mésopotamienne,
c'est qu'on estime donc avoir fait des bons en avant de géants dans la compréhension de l'histoire mésopotamienne, mais il y a des capitales entières et donc derrière des archives cunéiformes que l'on n'a pas. Et je citerai notamment la capitale d'Akkad, l'empire d'Akkad, on ne le situe toujours pas vraiment, peut-être c'était par ici, probablement, ou pour le Mitanni, ou le Shukani, et tellement de sites aussi que l'on ne connaît même pas. Là, je cite seulement des sites archéologiques dont on ne peut que deviner l'importance. Et très certainement, si on retrouvait les archives, ce serait absolument une révolution dans la connaissance de ces périodes et de toute l'histoire mésopotamienne. Donc voilà, un nouveau beau terme, je ne sais pas, mais des découvertes à faire, très très certainement. Et du coup, je conclurai sur l'importance et la lourde charge qui incombe à nos collègues irakiens et ô combien on espère aider, si on peut le faire, de protéger, comme vous l'avez dit, ces sites. Parce que, on le sait, hein, chaque fois qu'un site est pillé, c'est une perte irrémédiable pour la connaissance de cette histoire. Ce patrimoine devient ce qu'on appelle en français des entités orphelines. Orpheline, ça veut dire qu'on a vraiment perdu l'ascendance et que donc on a l'objet, mais on n'a plus son histoire, on n'a plus son contexte. Et ça vaut aussi bien pour les tablettes cunéiformes. Je précise parce que certains parfois pensent qu'une tablette, elle parle d'elle-même. Mais vous savez ce qu'est une archive, et une tablette sortie de son ensemble, elle ne dit que ce qu'elle dit, elle, et pas son contexte. Donc les tablettes, comme les autres œuvres, le pillage est vraiment irrémédiablement un fléau. Oui, et alors, maintenant, la surprise en quelque sorte. Alors, je ne sais pas comment faire. Voilà, je crois qu'ils vont le lancer. Alors, pour ceux qui l'avaient déjà vu, c'était donc la visite virtuelle de Khorsabad, ici en français, mais qui entre-temps, parce que nous sommes dans l'Institut français, cette visite virtuelle qui a été produite par le musée du Louvre, qui reconstitue Khorsabad à l'époque donc, de Sargon II, qui voulait en faire sa capitale. Elle a été d'ailleurs capitale assyrienne pendant 2 ans. Ça, ce sont les dates du chantier, en quelques 10 ans, la construction de cette ville monumentale. Alors, on la présente en français parce que c'est à l'Institut culturel, mais entre-temps, eh bien, on l'a sous-titrée en arabe. Alors, il faut que la lance, je pense. Mais... Donc, nous arrivons par le nord sur le site de Khorsabad. Les arbres qui correspondent aux arbres cités dans les textes de Sargon II. Vous survolez ici la citadelle, donc le palais et la zone sacrée avec la ziggourat, donc vous connaissez la silhouette. C'est ici le nord. Là, cette ville énorme, les vous permettrait de mieux connaître la ville basse. Et la ville rouge, ici, donc la citadelle. Citadelle royale qui est le berceau de l'archéologie mésopotamienne avec Gotha, qui s'est concentré essentiellement sur cette plateforme qui abrite le palais royal de Sargon. Vous êtes, vous circulez autour de cette zone.
passe entre les taureaux protecteurs et la Massou pour entrer dans la salle du trône. Salle du trône où on a retrouvé des peintures murales, Bal du trône, comme celle qui est au musée national d'Irak, et Guerre Plus, puisque le fils de Saruman a emporté les décors à la mort de son père quand il a abandonné la ville en tant que capitale pour rester là où il résidait, à Ninive, la dernière capitale de l'Empire assyrien. Donc en fait, de Mossoul. Et là, vous voyez l'usage des reliefs existants, mais aussi des dessins de Flandin pour les reliefs qui étaient déjà très abîmés lors de la découverte en 1843, en l'occurrence. Alors là, on va passer par un couloir escorté de tributaires mèdes, donc venus du plateau iranien, qui apportent leurs richesses, notamment leurs chevaux, au roi Saruman. Pour arriver dans cette cour 3 qui dessert certains des appartements privés. Donc là, on était dans le secteur officiel avec la salle du trône. Nous espérions l'offrir avant même la crise sanitaire dans sa version arabe. Et c'est donc une surprise de l'ambassade, quelque part. L'ambassade de Sarah, au musée. Tout à fait. Donc pour le musée et pour la salle Khorsabad, qui est quelque part l'un de nos liens les plus forts, hein, même si on espère, comme vous l'avez dit, garder bien tous les autres et en développer encore. C'est une surprise concoctée par les services de l'ambassade et on vous en remercie beaucoup. Bueno, ambassadeur de France en Irak. Quelqu'un va traduire.
Merci Ariane pour cette remarquable conférence. Merci beaucoup, vraiment. Et puis, puisqu'il y avait une question très intéressante tout à l'heure d'un des participants qui disait « Mais tout le monde ne peut pas aller dans le musée, tout le monde ne peut pas venir au Louvre, tout le monde n'a pas cette chance extraordinaire de voir les œuvres. Il faudrait qu'il y ait des accès virtuels, y compris en trois dimensions, y compris qui reconstituent les histoires. » Alors, avec Ariane, nous avons un petit cadeau pour Leïssi Sen, pour le directeur général des antiquités irakiennes, que je remercie vraiment d'être avec nous ce soir. Nous avons un cadeau conjoint avec Ariane Thomas et avec Le Gouffre. Alors, le cadeau qui est la valeur ajoutée la plus importante, évidemment, c'est Ariane qui va le remettre à Leïs, puisque ça vient du Louvre. C'est donc avec, avec et sans surprise, c'est la visite virtuelle de Khorsabad par CD et clé USB que nous vous remettons, avec donc les sous-titres en arabe. Merci beaucoup. Mais on a un petit cadeau complémentaire parce que ça c'est formidable, mais c'est compliqué s'il n'y a pas un endroit pour le projeter. Alors on a apporté aussi la structure pour le projeter, c'est-à-dire un grand écran qui permettra dans la salle Khorsabad, si vous le souhaitez, du musée national irakien que j'ai eu la chance extraordinaire de visiter pour la première fois ce matin, vous pourrez projeter ceci dans ceci au musée national. Thank you very much. Merci.